y est, aujourd'hui on est en Éthiopie, Addis Ababa plus particulièrement. On est venu c'est lundi pour une mission et c'était les voyages marketing au final. Le but c'est quoi? C'est de nouer une relation avec les femmes artisanes qui sont en Éthiopie, Addis Ababa, et les femmes djiboutiennes artisanes que nous formons. Ces femmes, nous on a ramené avec nous 6 artisanes qui ont vu jusqu'à là, qui ont visité certains magasins. Je m'appelle Halle Mohamed Ali, je suis ambassadrice de la communauté de Bikadous. Aujourd'hui, nous sommes à Addis Ababa pour une mission avec la mode. Donc, on a visité 2 marchés. Premièrement, on a visité le marché de design Salem, qui était les femmes qui sont en train de fabriquer, qui sont en train de confectionner les produits et aussi comment ils vont disposer leurs produits. Aussi, dans une autre atelier qui est eux, ils en faisaient des tissus. De couture. Après-midi, on a visité aussi dans les magasins deux sœurs jumeaux qui ont été ateliers de perlage. Ces deux frères ont commencé du point de zéro. Aujourd'hui, ils ont développé plus que leurs produits et commandés par German. Ils ont produit et leur finition, c'était vraiment très importante. Je voulais juste vous dire que je suis contente d'avoir travaillé avec vous toutes. Et avec l'équipe ADDS, j'ai été très ravie de voir comment vous avez travaillé, comment vous m'avez écouté depuis que je suis à Djibouti jusqu'ici. Merci pour votre compréhension, pour votre flexibilité et pour votre patience avec nous. Parce que je pense que j'ai été très dure avec vous, je suis directe, je ne blague pas. Et j'ai été très contente que vous m'ayez écouté. Et vraiment, j'aimerais que vous compreniez que l'ADDS a beaucoup investi dans ce voyage. Ça coûtait très cher. Vous avez tous pris l'avion. On a tous été dans un hôtel 4 étoiles. Vous avez tous eu des per diem. On est tous ici. Ça coûtait de l'argent. Et donc, l'investissement que l'ADDS a mis, on attend maintenant de retour. On attend des résultats. Vous comprenez? Et j'aimerais juste vous donner quelques mots d'encouragement avant mon départ, parce que c'est la dernière fois qu'on va se voir. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous ne soyez motivés. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas, soyez motivés, ne perdez pas espoir. Même si c'est difficile à Djibouti, vous savez que c'est possible. Il y a de la possibilité. Parce que vous avez vu les témoignages d'Éthiopie. Ils ont commencé comme vous. Ça a commencé il y a 16 ans. Mais voilà où ils en sont maintenant. Il n'y a pas le gouvernement qui les aide ni quoi. C'est eux seulement qui font. Donc, à Djibouti, vous avez l'opportunité de faire. Donc, soyez motivés et prenez cette opportunité pour avancer et pour s'améliorer. Parce que franchement, tout dépend de vous. Ça n'a rien à voir avec nous, mais tout dépendra de vous. D'accord? La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est communiquer entre vous. Vous n'êtes pas seul, ne soyez pas isolé. Ne pensez pas seulement que c'est Ali Sabié, que c'est Asamo, que c'est Tadjoura, que c'est Pekadouz et Damajog. Non, c'est Djibouti. C'est le pays. Donc, c'est vraiment un projet très important qu'on a mis en œuvre à Djibouti, qui touche quand même un secteur vraiment qui demande à être valorisé, qui est le secteur de l'artisanat.
Vraiment, on remercie déjà le Fonds japonais de nous avoir offert ce don, débloquer ce don pour nous. On a également la Banque mondiale pour nous avoir administré et de nous avoir confié ce projet. L'Agence djiboutienne de développement social a toujours été aux côtés des plus nécessiteux. La pauvreté a toujours été une notion qui est très importante pour nous, parce qu'on a toujours voulu, en tant qu'agence, en tant que bras armé de la lutte contre la pauvreté, pouvoir appuyer donc les plus vulnérables. Et je pense que l'artisanat fait partie d'une activité qui génère des revenus pour les femmes, une activité qui demande vraiment à être soutenue. Et je pense qu'à travers cette collaboration fructueuse qu'on a eue avec la ATA, on a pu voir que l'artisanat a énormément de potentiel. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu vraiment à travers les yeux, ou les regards même, enfin, à travers les femmes artisanes, qu'elles étaient très très intéressées et qu'elles ont pu voir que leurs produits pouvaient vraiment plaire aux femmes artisanes, aux acheteuses ici, qui vendent les produits artisanaux. Ils ont vraiment pu voir que nos produits n'étaient pas moins design ou moins développés que les produits éthiopiens. Ça, c'est important de le dire. Je pense qu'on a pu voir que les produits pouvaient être vraiment concurrentiels, qu'on pouvait concurrencer les produits éthiopiens. Et cela, je pense que ça a permis d'initier tout ce travail qu'on a fait autour du secteur de l'artisanat, toute cette logique d'intervention qu'on a menée, à savoir à l'identification des filières, à la formation sur le développement de produits et maintenant à la commercialisation. Je pense que toute cette logique d'intervention a porté ses fruits. Maintenant, c'est vraiment aux facilitatrices tout d'abord de mettre en œuvre tout ce qu'elles ont appris